Bonjour et bienvenue à tous pour cet épisode de Warcraft 2. Donc les épisodes de Warcraft 2 qui ont mis du temps à sortir parce que je faisais des... j'ai fait pas mal de live, donc j'étais pas mal occupé. Et puis il y a plus de mine ici. Donc on sait qu'il y a une mine là-bas. Est-ce qu'on irait la chercher maintenant? Non, je pense qu'on a assez d'or. Alors quel est l'objectif puisque j'en suis un plus. Détruire la place forte des elfes, donc ça va être pas Kel'Thas, puisqu'en soi Kel'Thas n'a jamais été pris par les orques. Très bien. Donc on va attaquer par le nord, par ici, à l'aide de catapultes et d'engins de siège. Oui, d'engins. On est prêt, maître. On est prêt, maître. Donc allez, catapulte en position. Évidemment, toujours avec les quelques sorciers qu'on va se faire. Là, on en a un. Et donc, nous, on va rester par ici. On va plus se mettre ici, sur ce point-là. Le son est un peu fort, je sais. Enfin, pour moi, je trouve que le son est un peu fort. Où ça? Non. Surtout pas la catapulte. Alors, vide-toi. Je suis vivant. Ah, vite. C'est vous le chef maître. Hop, on se met sur ce pont de glace et on va le garder. Alors d'ailleurs, si notre ogre magie peut faire juste un petit œil. Voilà. Qui va nous servir à scout. Les positions. Hop. Tac tac. Alors ouais. Bien défendu. Ils ont une tour des mages. Des catapultes. Ouais, ce côté-là est bien défendu. Mais on peut le prendre. On peut le prendre. C'est tout à fait faisable. Alors. On va faire avancer d'abord les unités de combat. Ici. Les catapultes vont suivre après. Et on va y aller comme ça, étape par étape. Donc, eux qui avancent, pas trop pour pas se prendre des tirs de tourelles. Oui. Ah. Très bien, il vous suit. Juste histoire de détruire la baliste. Et on recule. Alors voilà, avancer un peu pour laisser passer les unités qui vont vous protéger. Bon ben, pas besoin de plus que ça de protection. Alors de nouveau, un petit œil pour aller voir ce qu'il y a par là. Il y a pas mal d'elfes, c'est surtout là que ça va être embêtant. Donc hop, on avance. On avance, on va avancer à la rencontre des elfes. Ah, oui, là-bas. Hop, alors j'aime pas trop le chevalier de la mort. J'aime bien le sorcier humain, mais le chevalier de la mort, j'avoue que c'est pas l'unité que je préfère. Alors on va bien sûr bombarder les positions ennemies. Avec bien sûr ces unités là prêtes à intervenir au moindre besoin. Ouf, on n'a pas eu le temps de tirer. On est attaqué. Alors vite, on détruit la tour. Et là on va y aller. On fonce. On s'engouffre dans les plaies. Béante. Et on s'engouffre dans la ville. Enfin, dans la première couche de défense en tout cas. Première couche de défense passée. Ensuite. De nouveau. On va voir les tourelles. Ouais. Alors, ce qu'on va faire, c'est les unités qu'on a par là. Vont venir se joindre à mes unités ici. On est attaqué.
coup ça, oui, là. Alors vite, on s'occupe de ça. Et ensuite, de ces pauvres elfes ignares qui ignorent tout de la puissance. Alors voilà, on peut les rejoindre par là. En se débarrassant bien sûr des défenseurs sur le chemin. Ces pauvres elfes ne comprendront rien à ce qui leur arrive. Non, ils ont tué mon dog. Alors, hop. On est attaqué. Où ça? Là? Ah oui. Sauf que là. Hop, et pensant là, nous on va attaquer bien sûr. On est attaqué. Mais il devrait pouvoir s'en charger tout seul ça. Elle sent bien, on refera des unités si besoin. Alors reculez, reculez vite, reculez vite. Non. Alors vite. Les balistes. Les balistes, les balistes. On est attaqué. On est attaqué. Et là maintenant. Ah, ça attaque ma capitale. Ah voilà, on tient juste à cette distance. Mais on couvre bien. C'est notre ville qu'ils détruisent. Ah, ils sont pas mal quand même là-bas. Ok, là on n'est pas bien, vite. On se replie. On est attaqué. Très bien. Vite. Création d'unité. Création d'unité. Des ogres. Des effectifs, il me faut des effectifs. Ils ne doivent rien détruire, rien. On est attaqué. On est attaqué. Très bien. Vite, vite, vite. Vous voulez un point? D'accord, d'accord. Oui, d'accord. Il vous sera, il vous sera. On est attaqué. Comme il vous sera. Je suis. Comme il vous sera. Comme il vous sera. On est prêt, mec. Ah, c'est chaud, c'est chaud. C'est chaud. Oui, très bien, très bien. Comme il vous sera. Comme il vous sera. Comme il vous sera. Comme il vous sera. Vous voulez faire froid? Très bien. Très bien. On est prêt, mais on est prêt. Allez, vite! Ogre! C'est la galère, c'est la galère! Et une fois qu'on est reparti, on est reparti! C'est plutôt logique ce que je viens de dire, mais voilà! Faut juste pas qu'ils détruisent ça! Mais ils vont le détruire! Hop! Tac! Boum! Non! Vite! Un péon pour réparer tout ça! Je suis vivant.
Et là, par contre, on va se faire masse unité pour se venger maintenant. Oui, mec. Ça va être la vengeance. Quoi? Bien, ça va être prêt. Ah non, ça va être la défense encore. Ça roule. Finissez vous sera comme il vous sera. C'est vous le chef. C'est vous le chef. Finissons-en. Quoi? On est attaqué. Allez. Oui, maître. Très bien. Où ça, qu'est-ce qui se passe? Que, quoi? Qui, dont, où? On se fait bombarder? Eh, hey, tabassez moi, c'est nulos d'elf. Ok, allez, plus d'unités. Ça va être dur. Donc il va nous falloir des catapultes pour assiéger, détruire ce côté-là aussi. En fait, on va attaquer des deux côtés. C'est vous le chef. Ouais. J'ai fait toutes les améliorations possibles ou pas, en fait, d'ailleurs. De toute façon, c'est pour ça qu'on perd. Ah ben voilà, j'ai pas fait cette amélioration là qui est totalement indispensable. Je suis mort. Finissons-en. Finissons-en. Où ça? Encore? C'est vous le chef. On est attaqué. Oui. Comme il s'y ira. Très bien. On est attaqué. Très bien. Comme il vous sera. Comme très bien. Ok, là, ils sont chiens, ils ont fait une base pas loin et ça va tout détruire. Très bien. Ils seront tous saccagés, les sagouins. Pas assez d'heures à exploiter plus de mines. Ok. Plus de péons dans les mines. Alors toi, tu vas essayer de s'occuper de ça. Et nous, on va chercher ceux qui arrêtent pas de foutre le bordel là. Comme il vous sera. Comme il vous sera. Très bien. Je suis très bien. Très bien. Y'a plus de mine, alors vite! En bas! Quoi? Quoi? Oui, ton joli. Finissons-en. Oui, maître. Vite, foncez, foncez, cherchez de l'or. Courez. Oui. Tout joli. Tout joli. Tout joli. On est attaqué. Bim. Bim. Oui, maître. Tout joli, maître. Bien, maître. On est attaqué. Ok. Bien, maître. Ils sortent de par où en fait? Ils font tout le traversée depuis là. Ok, vous savez quoi? On va tricher. On va tricher, on va aller prendre un code sur internet pour avoir plein d'argent, parce que le but c'est quand même de finir ça, pas juste de continuer. Alors je sais, il y en a qui vont se plaindre en disant que c'est de la triche, etc. Le but pour moi c'est quand même de finir le jeu avec vous. Glittering Prize. Alors vous inquiétez pas, je remettrai. Voilà.
Maintenant que ça c'est bon, hop, alors, attendez. Hop, voilà. Donc du coup, on va laisser tout détruire. Et nous, on va juste faire plein d'unités pour pouvoir attaquer en fait. Hop là, parce que je commence à avoir un peu marre de devoir m'occuper de... Hop... Trolls encore... Plein de trolls... Des grunts... Il va falloir des catapultes aussi... Donc là on s'en fiche un peu... Alors vite, si on peut faire au moins un petit sorcier quand même avant... Histoire de... Alors ça c'est bon, elle a fini... Ça, on a toutes les améliorations. On va se prendre des démolisseurs si on peut aussi. Ah, un blizzard. Non, ils vont venir plutôt par là. Ils vont faire des unités encore ici. C'est bon. Alors pourquoi il a pas beaucoup de vie comme ça? Mais ils sont partout. Finissons-en. Très bien. Ok, on peut même pas fuir d'ici, il faut qu'on attende qu'il y ait assez d'unités. On va attendre qu'on ait assez d'unités ici. Hop, en attendant. On est attaqué. Alors on va défendre ce petit endroit. Non, par là. Alors évidemment, on va reconstruire ce dont on a besoin. Et là, ici, en attendant, on prépare les défenses. Alors évidemment, un petit peu, on pourra reconstruire. On recommence. Donc, j'ai dans le livre, c'est vrai que c'est aussi un siège assez difficile pour les orques, puisque l'alliance est venue aider les elfes à temps. Pour défendre la ville, même s'ils ont failli gagner quand même. C'est vous le chef. Ah oui, toi, fuis par là. Et vous, dès que vous apparaissez, vous foncez sur le premier paladin que vous croisez. Non, mais arrêtez de passer dans les. Pourquoi ils vont dans le blizzard comme ça? C'est débile. Hop, évidemment, on essaie de ralentir le plus possible leur progression. Alors ça va être dur. Vous voyez comment c'est bon à concentrer un peu leurs assauts. Pas assez de nourriture, construire d'autres fermes. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont détruit beaucoup de mes fermes aussi. La vie est dure. Et là donc, on va pouvoir commencer la migration. On va pas rester ici, ça sert à rien. C'est notre ville qu'ils détruisent. C'est notre ville qu'ils détruisent. Mission accomplie. Très bien. Très bien. On va, on va se déplacer, on va faire un déplacement très bien. Vers ce petit village qui va nous servir de défense, de lieu de défense. Contre l'envahisseur. Alors je sais que c'est de la triche, mais je m'en fiche. Faut qu'on le fasse. Faut qu'on finisse un peu. Faut qu'on avance un peu dans l'histoire. Très bien. Ah non, c'est vrai, j'ai pas de... assez de ferme. Alors, en attendant qu'ils fassent, on va faire comme dans les Sims. On se remplit les poches. On est attaqué. Alors, je ne triche comme ça que quand il y en a besoin, vraiment, parce que sinon, c'est pas drôle non plus quand même de faire le jeu en trichant. Et le but c'est quand même de s'amuser un peu aussi en même temps que je vous présente tout ça. On est attaqué. Oh oui, toi, vite, vite, fuis. Fuis, faut que tu survives. Faut que tu les rejoignes là-bas. Fuis et ne meurs pas, petit péon. Fuis. Non, il est poursuivi. Il est poursuivi par un elfe.
Non, il a été ralenti et il est mort. Mort dans son caca. C'est affreux. C'est indommable. Donc... Ah non, c'est vrai que j'ai plus rien là. Hop, on va essayer de reconstruire assez rapidement un truc là ici. On va se mettre plein de tourelles partout pour nous défendre. Et on va tenir. On va tenir. Là, ça fait à peu près 10 minutes, je pense que j'y suis. 10-15 minutes. Hop, allez. Non. Siri. Une Siri ici. Dès qu'un qui finit, il fait des tours de guet. Et qu'on va améliorer le plus vite possible. Voilà, tour de guet ici. Tour de guet ici aussi. Alors, ici, pour bien bloquer le passage, en fait. Voilà, ici. Alors toi, il y a un phoque qui te gêne, donc t'y arrives pas. Depuis quand les orques s'arrêtent parce qu'il y a un phoque sur le chemin? Ah, parce qu'ils viennent de détruire des fermes aussi. La partie devient dure. Oui. Alors on va placer des runes avec notre ogre magique qui reste. Ah d'accord, les runes c'est pas... Ok. Ah si. D'accord, ça met juste du temps en fait. Parce que c'est super puissant. On est attaqué. Évidemment, on focus le paladin. Voilà, on tient bien. Toi, tu as amélioré tout ça. Voilà. Hop, une ici. Du coup, j'ai perdu tous mes autres péons. Donc vite, allez, on tient bien. On tient bien. Là, on va être en mode défense. Hein. C'est de la tower défense, mais comme jamais. Là, on reconstruit notre royaume. Disparu. Alors vite, je vais me faire des maisons. Donc là c'est bon, on peut déjà commencer à se faire des trolls. Hop, on améliore ça. On va faire aussi des petits trucs comme ça pour que ça puisse nous aider à nous défendre. Ça, tu vas t'améliorer. Nous, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, Siri? C'est bon, forge. On en fait une ici, comme ça va servir de défense à l'arrière. Ah oui, si vous pouviez. Alors j'aimerais éviter de trop toucher à la catapulte, histoire qu'elle tue pas d'autres personnes. Construction de bateaux terminée. Alors évidemment, des tours un peu partout, hein, pour bien surveiller. Fais attention à tout. Ici, toi, tu vas te mettre là pour pouvoir canarder le truc qui se rapproche. On est attaqué. Où ça? Non, tu tires pas, toi. Finissons-en. Mission accomplie. Comme il vous sera, maître. Retour des morts-vivants. Non, ça marche pas. Et là. Ça marche que sur une des... Attendez, oui. Faut que je fasse un test. Un truc avec beaucoup de vie, voilà. Finissons-en. Comme il vous siera. Finissons-en. Ça marche que sur les nôtres. Mission accomplie. Très bien. Ah ben voilà. Hop, les squelettes. Allez les embêter. Des maisons. Tour canon. Hop, tertre des ogres. On va être un peu serré ici, mais c'est pas grave. Une catapulte, ça va pas faire de mal.
Les 10 squelettes, là voilà, avec leur petit PV. Ah, oui. Tuez-moi ce phoque! Très bien. Mission accomplie! C'est vrai que c'est peut-être un peu hard de tuer un phoque comme ça, mais bon. Il l'avait bien cherché! Sub-toc. Sub-toc. Allez, un petit pion de plus, alors là je sais, vous dites que c'est le bordel. Je sais pas du tout pourquoi il y a ce bruit, ce... Oh. Finissons-en, très bien. On est attaqué. Je veux pas. Mission accomplie. Pourquoi il peut pas attaquer? Pourquoi ne peut-il pas attaquer? Attendez. On est attaqué. Voilà, il pouvait tirer. C'est juste que le canon était enrayé, quoi. Donc c'est vrai que Keltala, enfin la prise de Kel, enfin la prise, ils n'ont pas réussi à la prendre, mais ils ont failli. La bataille pour tout ce qui est Keltas avec les orques contre les elfes, du coup, fut assez rude pour les elfes, puisqu'ils ont perdu quand même beaucoup. Et ils les ont repoussés, mais difficilement, et à l'aide de l'Alliance. Et parce que du côté de l'Alliance, ça fait la merde aussi grâce à Gul'dan. Si Gul'dan n'avait pas foutu un peu de la merde, en gros, l'Alliance n'aurait jamais gagné. Donc l'Alliance est redevable en partie à Gul'dan. C'est étrange à dire. Mais c'est le cas. Ah oui, aussi, bonne nouvelle, j'ai la bêta Légion disponible. On est prêt, maître. Mission accomplie. Oui. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était le pire moment pour que ça arrive, ça. Genre vraiment le pire moment. Ah, je comprends pas. Je pense que j'ai arrêté de me faire des... Enfin, j'ai l'impression qu'ils sont puissants, mais qu'ils consument l'énergie vivante autour d'eux pour régénérer de la magie. Ce qui par conséquent fait que, en gros, bah, ça tue des fois les unités qui sont à côté parce que voilà. Parce que voilà, faut bien régénérer un peu du mana de temps en temps et donc du coup il fait life tap. Mais sur ce qui l'entoure, pas sur lui-même. C'est peut-être ça alors. C'est peut-être ça le secret de leur puissance. Mais moi j'en veux pas. Parce que j'avoue que c'est tout pourri comme pouvoir quoi. T'as plein d'unités d'un seul coup. Que s'il te passait que quoi? Mais rendez-moi mes unités. On va se rapprocher. Cette fois-ci, on se rapproche discrètement. Hop. Alors, je dis cette fois-ci, on se rapproche discrètement. En soi, non, pas discrètement du tout. On va se mettre ici. Oui. Toi, tu vas aider. Bien sûr, maître. Oui, maître. Oui, maître. Bien, maître. Bien, maître. Alors, c'est là, normalement, c'est sur cette guerre-là que les ogres magie apparaissent et pas avant. Et après, bah, c'est un atout de poids quand même, ces ogres. Parce que c'est clair qu'avoir des ogres qui sont intelligents en plus de ça, ah ben, bah, c'est utile. Attendez, je fais le code. Donc allez, on va tenter. Alors, est-ce que je peux pas avoir prendre un petit code pour rendre un peu plus fort? Allez. On est attaqué. Voilà, on va essayer ça. Alors attendez, faut que je m'arrête sur le jeu. Mission accomplie. Ah! Clairement, je
suis passé en mode divin. Invincible. Et là ça marche pas et là je dois tout recommencer. Non c'est bon. Quoi? Allez, on va finir ça, puisque faut quand même finir cet épisode. Là, c'était long. Et j'étais mal parti pour pouvoir le finir rapidement. Alors, je suis désolé pour ceux qui voulaient me voir le finir normal, mais en même temps, j'ai envie d'avancer un peu dans l'histoire pour pas vous ennuyer trop non plus à rester sur, sur des trucs comme ça. Je sais qu'il y en a qui aiment bien quand le jeu est bien fini, sans triche, etc. Je m'excuse par avance, mais fallait finir le jeu. Enfin, fallait finir cette mission en tout cas. Pour avancer. Alors ce que j'aime bien, c'est que le mode invincible de ce jeu là est pas trop pété non plus. Tu tues toutes les unités mais les bâtiments. On les détruit un peu plus lentement. Pourtant c'est parce qu'ils ont plein de PV. Genre est-ce que ça rajoute les dégâts qu'on a? Non, pas du tout. Ah, par contre le château fortifié. Ils font comme dire du beurre. Ils font comme du beurre, pas comme dans du beurre. Ça ne veut rien dire. Allez, détruisez-moi ça! Détruisez-moi ça! Détruisez-moi tout! En avant, les trolls! Il faut même dégâts que des catapultes, man. Tabu. Et donc bah, cette guerre entre les elfes et les orques, en gros, elle va se finir sur la victoire des elfes, mais avec des grandes pertes et une grande traînée dans le sol, puisque la magie nécromantique des démonistes aura laissé de grandes séquelles aux terres elfes. Et donc du coup il y aura toutes les terres elfes qui vont être pourries. Alors c'est les terres qu'on voit, pour ceux qui jouent à WoW, ceux qui n'ont pas une idée, c'est les terres qu'on peut voir, les terres fantômes. Celles qui sont connues comme les terres fantômes aujourd'hui. Allez! Massacre! Boucherie! Allez, c'est fini! Ah, pas totalement. Alors attendez, on va aller aux options. Préférences. Brouillard de guerre, non. Où reste-t-il l'unité? Alors, sachant que les violettes, on les voit mal en plus. Ah bah, elles sont là, c'est pas, en plus, c'est pas des violettes. C'est vrai qu'il y avait ce groupe de pignoufs-là qui nous avait fait un sale coup à un moment. Nous ont empêché de prendre de l'or. Et donc, du coup, ils venaient par où, les bleus? Ils venaient à chaque fois par là? C'est quand même des gros chieurs, hein. Très bien, très bien. Allez, donc, on va finir, on va voir le début de la prochaine mission. Et on va dire à la prochaine. Dès que ça dit que je suis victorieux. Victoire. Donc là ils vont dire tricheur. Bon, tricheur, voilà. Score, wouah, tellement de score. C'est bien, au moins ils reconnaissent quand il y a un code de triche qui est utilisé ou pas. Je crois que dans le Warcraft C3 il le fait pas. Ah, attention. Tide of Darkness. Ah, on va être vers la fin alors. Ah oui, c'est attaque de Lord Aeron. C'est le moment intéressant. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Un démon. Ah oui, ça c'est Les territoires de Northland sont tombés. Je l'explique après. Seuls résistent encore les régions occidentales de Lord Aeron, mais plus pour longtemps. Alors que le clan s'apprête à lancer son ultime assaut contre l'Alliance, dont les faiblesses se font évidentes, le seigneur de la guerre vous transmet une bien sombre nouvelle. Gul'dan et le clan Stormraver ont trahi la Horde et obligé le clan de Twilight Summer à appareiller pour partir en guerre. Ah, ils n'ont pas vraiment obligé, ils sont ensemble quoi.
des informateurs de Doomhammer révèle qu'en effet, Gul'dan a soulevé une île volcanique du fond marin et a découvert... Et donc c'est les îles brisées qu'on a dans WoW. Nul ne peut dire encore ce que le sorcier a découvert dans ce sépulcre. Toutefois, les ordres du seigneur de la guerre sont les suivants. Massacrer les renégats et rapporter la tête de Gul'dan sur un plateau. Ça marche. Donc, je suppose que la cinématique qu'on a vue, c'était, en fait, Gul'dan, justement, qui ouvrait la porte pour le... Pour le tombeau de Sargeras et qui s'est fait tuer par les démons. Alors, c'est très vite expédié sur cette cinématique-là, puisque ça dure pendant un petit moment. Mais donc, voilà. Donc, j'espère que cet épisode vous aura plu, bien que j'ai triché, je m'en excuse d'avance. J'espère que ça vous aura quand même plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, sur Facebook, sur Twitch aussi. Et n'hésitez pas à vous abonner pour suivre tout ce que je fais. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Et donc là, on va pouvoir parler un peu plus de l'histoire maintenant qu'on est sur ce passage-là. Donc, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!